devenir un héros, ce n'est pas difficile. Salut à tous et à toutes, c'est Freeze. Aujourd'hui on se retrouve pour un Coliseum, sûrement le dernier Coliseum de l'Eka Flip de Pou que vous verrez sur ma chaîne, tout simplement parce que je vais faire le dépôt de bilan de l'Eka Flip de Pou. Donc je sais pas comment je vais appeler ça, je vais sûrement appeler arrêt de l'Eka Flip de Pou, dépôt de bilan ou bilan, explication, voilà. Tout simplement parce que j'ai envie d'arrêter l'Eka Flip de Pou. Donc faut savoir qu'on a la chance de jouer à Dofus. Dofus, bah, on a la chance, tout le monde peut jouer à Dofus, mais je veux dire, on a la chance d'avoir un jeu qui est en fait où on peut avoir une évolution vraiment importante, où on peut avoir un changement constant, et c'est vrai que bah, moi j'ai envie d'en profiter. Je suis une personne qui se gave rapidement, non, mais qui aime profiter entièrement d'un jeu, donc c'est pour ça que, et bien tout simplement, l'élément Dopu, je vais le changer. Donc il faut savoir que l'élément Dopu, ça a des avantages et des inconvénients, donc je reviendrai là-dessus dans la vidéo. Il faut savoir que je vends mon stuff Dopu, et bien tout simplement c'est pour vous proposer quelque chose derrière, hein. C'est vrai que je vais pas laisser l'élément Dopu comme ça, je vais acheter un autre stuff à côté, je reviendrai aussi là-dessus dans la vidéo. Et puis je pense que ça sera déjà pas mal parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, je vais tout simplement vous parler des avantages et des inconvénients d'un Eka Flip de Pou. Donc déjà, j'espère pour vous que depuis que j'ai fait l'Eka Flip de Pou, pour ceux qui avaient un Eka Flip, ils ont peut-être eu la chance d'essayer l'Eka Flip de Pou. Donc c'est vrai que l'Eka Flip de Pou, bah, c'est un élément, en tout cas sur cette classe, qui n'est pas beaucoup utilisé. Parce que c'est vrai que on n'y pense pas forcément. Il y a des classes comme par exemple le Yop, où c'est vraiment plus évident de jouer en mode Dopu que sur l'Eka Flip, tout simplement parce que les sorts sont plus intéressants que ceux de l'Eka Flip. Mais c'est vrai que ça peut être fun, ça change un peu. Mais moi, personnellement, j'ai commencé l'Eka Flip Dopu au mois d'août, j'ai fait mon stuff, etc. Donc je me suis quand même beaucoup amusé, hein, sans vous mentir, j'ai fait beaucoup beaucoup de colis. Malheureusement, j'ai pas pu tous les filmer, j'ai pas pu non plus vous mettre que des victoires, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de faire un colis avec un Eka Flip de Pou. Tout simplement parce que on peut déjà commencer par les désavantages. Si on n'a pas une team, en fait, si on n'a pas une team auto-win autour de nous, donc ça veut dire soit un Fekka, soit un ennemi, même si j'estime que la meilleure classe qui peut aller avec un Eka Flip Dopu, soit le Fekka avec un archétype, ça c'est vraiment le best. C'est vraiment le best de la classe. Et ensuite, un coéquipier, que ça soit par exemple un Uniripsa, pourquoi pas, un Sacrieur c'est pas mal, un Yop c'est pas mal, mais il faut vraiment que ces personnes jouent team play et que ça soit vraiment seulement vous qui soyez le majoritaire roxeur, j'ai envie de dire, ou sinon ben tout simplement ça sert à rien. Si vous retrouvez avec un Yop et un Kra, vous êtes pratiquement sûr de perdre le combat, hein. Si vous tombez surtout face à des teams auto win du genre Eni, Oza, Fekka, des choses comme ça, des classes piliers, je peux vous assurer que vous perdez. Vous avez beau essayer de bah, tout simplement de faire ce que vous pouvez, et ben vous ne pouvez rien faire. Ensuite, sur les Eka Flip de Pou, il faut savoir que la diversité des sorts est vraiment très très faible. Sur les Eka Flip de Pou, vous ne pouvez taper qu'avec la fellation et le destin des Eka Flip. Vous savez ce que vous allez taper, et c'est tout le temps la même chose. D'ailleurs, c'est pas franchement évident de placer ses sorts contre des murs, etc. Donc c'est vraiment fun quand on commence, quand on y joue, quand on lâche des jets à 750. Mais rapidement, quand on peut rien faire à côté, je veux dire quand on peut pas faire de PVM, quand on peut pas faire de PVP 1v1, quand on peut pas faire de AVA, quand on peut pas faire de PVM solo, quand on peut pas faire de quête, etc. Parce que le Dopu, il est vraiment pas évident contre les mobs, contre les maps de PVM, etc. Et bien tout simplement, l'ennui s'installe vite, sachant que j'ai vendu mon stuff feu pour pouvoir faire mon stuff dommage. Donc c'est pour ça que j'abandonne le stuff Dopu. Il faut savoir aussi que à côté du stuff Dopu, vous ne pouvez utiliser aucun sort. Je veux dire que si vous tapez, vous décidez de taper avec pile ou face, griffe joueuse, tout rien, encore tout rien vous roxez. Mais des sorts comme ça terre, et bien tout simplement vous n'allez rien taper. Tout simplement pour la bonne raison, parce que moi avec mon stuff j'ai 300 en chance et 300 en force. Donc ça veut dire que c'est vraiment, et bien tout simplement c'est trop petit pour pouvoir taper quelque chose à côté du Dopu.
Donc c'est vrai que déjà tous ces sorts ça devient vite ridicule quand on les utilise. Et ensuite je vais vous parler du corps à corps. Donc moi j'avais fait le choix de l'Arcutentag qui est pour moi je pense le meilleur choix pour le stuff que j'avais choisi tout simplement. Parce que j'avais pas de PO modifiable sur les sorts de poux que j'utilisais. Donc je pouvais taper à 4, 5 PO maximum je crois. Et l'Arcutentag me permettait de taper jusqu'à 8 PO. Donc ça c'était vraiment un avantage qui était plutôt pas mal. Pour moi de mon côté, mais c'est vrai que voilà, il me manquait des caractéristiques, donc de la force de frappe. Donc c'est vrai que je me suis vu lâcher des Arcutentag, l'Arcutentag qui coûte 5 PA tout de même, à moins 150. Donc dans ce colis-là, vous allez voir un joli jet à moins 450, je crois. Mais c'est vrai que avant que je fasse des G à 450, faut que j'y aille, hein. C'est pas comme ça que je vais les faire. Sinon, majeur inconvénient aussi pour moi, c'est tout simplement avec le stuff que j'avais choisi, c'est vrai que la instable était vraiment assistée pour pouvoir avoir un mode 11.6 ou 12.5 au choix, tout simplement c'était le grand manque de résistance, hein. C'est vrai que je me faisais beaucoup gangbang, même si j'avais 4300 vitalité, j'avais à peine un tout petit 10% en intelligence, en résistance intelligence, et à côté, eh bien tout simplement, j'avais rien en fait. J'avais du 0% dans tous les éléments. Donc c'est pour ça que je me faisais vite gangbang. Sinon, au niveau des avantages du stuff de poux, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Donc déjà, l'effet de surprise sur nos adversaires. C'est vrai que les gens s'attendent pas tout simplement à ce qu'un Ekaflip soit de poux, même si moi j'avais le cafard, c'est vrai que c'était pas non plus super l'effet de surprise. En plus, les gens avec la chaîne et tout ça savaient à peu près quel élément j'étais. Mais bon, ça pouvait permettre l'effet de surprise sur certaines classes, surtout au tout début, ou surtout si on enlève le cafard, c'est qu'on met autre chose, une DD armure par exemple, et bien c'est vrai que ça peut être sympa. Les personnes qui ne savent pas jouer face au Dopu par exemple, et bien tout simplement elles se mettent contre un mur, et là vous les gangbanger, et là ça devient vite orgasmique. Sinon, vous pouvez aussi, les gens ne se protègent pas, donc quand je dis ne se protègent pas, ils mettent pas des capotes sur leur gueule, mais ils mettent pas de résistance Dopu. Sinon, avec les Ekaflip Dopu, vous pouvez faire de gros combos avec Odora, donc ça veut dire double destin, félation, libération, donc ça fait un combo presque à 2400 par tour, donc ce qui est plutôt intéressant par exemple sur quelqu'un qui a beaucoup de résistance terre ou feu, donc l'élément de base d'un Ekaflip. Ou sinon, et eh bien tout simplement, principal avantage c'est qu'on passait par-dessus toutes les résistances, donc que ça soit les armures de Fekka ou la prévention de l'Inirippsa, c'était plutôt cool. On passait vraiment par-dessus tous ces éléments, on passe par-dessus le sacrifice, on passe par-dessus le renvoi de sort, donc c'est vrai que c'est plutôt cool, c'est plutôt cheaté comme élément, et c'est pour ça que c'est nerfé. Donc voilà, ça c'est les principales raisons, du moins quand je vous parle des inconvénients, c'est les principales raisons pourquoi tout simplement ça ne m'amuse plus. J'ai tellement joué avec cet Ekaflip de poux pendant 2 mois et demi que tout simplement j'ai eu un gavage, et tout simplement j'ai eu aussi une autre idée de stuff qui peut être tout aussi bonne, tout aussi orgasmique comme j'ai envie d'appeler ça, et tout simplement aussi parce que il faut que je finisse mon stuff dommage. Donc il faut savoir que si je vends ce stuff de poux, et bien tout simplement c'est pour réutiliser les camas, je ne laisse pas mes camas en dormance, donc je vous l'annonce, et tout simplement donc déjà pour finir mon stuff dommage et aussi pour pouvoir me payer un stuff terre. Donc il y aura 2 épisodes de Goldar le Clochard, un qui présente la vente du dopu et un qui présente le stuff terre que je veux faire d'ici, sans doute dans cette semaine et la semaine prochaine, ces 2 épisodes-là, je verrai comment je fais, mais c'est surtout aussi pour ça que je veux changer le stuff dopu. Il faut savoir aussi que si vous êtes un Ekaflip de poux, que vous soyez un Yop de poux, un Steamer de poux, des choses comme ça, il faut savoir qu'à la 2.16, il y a des items de Mercator qui sont sortis, donc des items vraiment cheat qui vous offrent 120 de résistance de poux par exemple. Et il faut savoir qu'il y aura tout simplement une nerf de poux à la 2.17, donc je pense que c'est prévu vraiment pour la 2.17, donc avant la fin d'année. Tout simplement, eh bien, concernant les dopus, donc ça veut dire concernant les trophées, les bonus des trophées sont sans doute inversés, les résistances sont sans doute augmentées. Donc ça veut dire que déjà au niveau des trophées, eh bien tout simplement, les prix vont baisser, etc. Et c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'attendre que mon stuff perde de la valeur, et c'est pour ça que je vais le revendre immédiatement avant l'annonce de cette 2.17 et avant qu'il y ait trop de gens
qui tout simplement veulent mettre leur stuff à vendre. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de d'un mini bilan de l'écafib de pouce. C'est vrai que j'ai pas non plus grand chose à vous dire. Alors, je pense que vous avez eu le temps de voir sur la chaîne, hein, il y a quand même 10 épisodes sur les cafés de Pou, que ce soit en 1v1, en Zapette de Pou ou en Coliseum de Pou. Donc je pense que voilà, vous avez pu voir, vous avez pu bander, vous avez pu rigoler, j'ai pu beaucoup rigoler, je me suis beaucoup amusé, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous ne serez pas trop dégoûté, que vous serez impatient de voir ce que je vous prépare pour la suite, pour l'après de Pou. Et puis voilà, allez tchuss tout le monde, bye!